En passant la tondeuse, je suis tombé sur tout un nid de fourmis qui était rentré dans un éclairage de gazon. Bon, j'ai eu l'idée de venir le poser là. Voir si le chocador allait aimer les fourmis, les œufs de fourmis. Alors, je vous dis pas, il se régale. Hein. Il se fait un festin. Hein. Vous avez vu comme il est passé vite, je ne sais pas, il doit voir les fourmis qui piquent les pattes. C'est extra. C'est extra. Imagine qu'il doit manger les œufs. Oui, oui, il mange les œufs. Ah ouais, choucador, il aime les œufs de fourmis. Alors les œufs, il faut aller les chercher au milieu des fourmis. Alors tout ça, c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo de ma volière. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les attendent avec impatience. Et qui devaient dire, bon, l'homme cinéma, bon, ça va un petit peu avec son homme cinéma. Hein. Bon, ben voilà, bon. Pour les passionnés d'oiseaux, hein. Voilà, je vous fais une vidéo sur le choucador en train de se faire un festin d'œufs de fourmis. Je ne sais pas s'il mange des fourmis aussi. Ah, peut-être, oui, parce que sur le bord, il n'y a pas des œufs. Alors, des fourmis qui portent des œufs. Là, il y va. Hein. Incroyable. Hein. Alors, je dois dire que cet hiver, j'ai eu un peu de perte. Voilà. Mais le couple de Gould, qui était si joli, eh bien, c'est fini. La femelle, je l'ai trouvée morte. Pourtant, elle était magnifique. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis le mâle a disparu ensuite. Après le mâle a disparu le long queue qui me restait. Voilà, je pense que je ne les ai pas retrouvés. La cage de Chine, la caille de Chine aussi, qui était si jolie, disparue. Alors je pense que c'est un rat qui me les a bouffés. Voilà. Voilà, il me reste juste le mâle de 19. Ça faisait un joli couple, et voilà. Alors, comme tous les ans, à cette époque-ci, fin avril, mi-avril, j'ai mes orchidées qui refleurissent. Voilà. C'est une des premières fleurs, finalement, de ma volière. Il commence à y avoir quelques cystes aussi. Non, non, il ne veut pas s'y voler. Ça y est, il siffle. Pour le moment, je ne suis pas arrivé à lui faire siffler la Marseillaise. Hein. Je crois que je n'arriverai jamais. Bon. Mais ça, il aime bien le faire. Des fois, quand il me voit passer même dans le jardin, il se met à me siffler de loin.